Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Il n'aura donc pas fallu attendre bien longtemps pour découvrir les embûches auxquelles le gouvernement va être confronté à l'Assemblée nationale. Cette nuit, un article sur le pass sanitaire aux frontières a donc été rejeté grâce à une alliance peu commune entre le Rassemblement national, les républicains et la NUPES. Un mauvais coup pour la majorité qui découvre donc les nouvelles règles du jeu avec une majorité relative à l'Assemblée. La Première ministre considère même que... L'heure est grave et se déclare incrédule face à ce vote. Ces équipes comptent maintenant sur la responsabilité du Sénat pour faire passer ce texte. Pour l'opposition, c'est tout juste la démocratie qui l'a emporté. Mais on peut se demander comment le gouvernement va pouvoir continuer à réformer dans ces conditions bornes. L'heure est grave, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Dominique Régnier, vous êtes directeur général de la Fondapol, la Fondation pour l'innovation politique. Je rappelle votre étude 2022, le risque populiste en France qui a montré la droitisation de la France. Avec nous ce soir, Bruno Jody, vous êtes rédacteur en chef au service politique de Paris Match. Selon votre tableau de bord, IFOP, Macron est en baisse de 4 points à son niveau le plus bas depuis mars 2020. Et puis, je cite votre édito, ça coince pour Emmanuel Macron. Nathalie Saint-Cric, vous êtes éditorialiste politique à France Télévisions. Enfin, Ivan Trippenbach, vous êtes journaliste politique au monde. Vous suivez le Rassemblement national, je cite votre article du 7 juillet. L'ERN met en scène à l'Assemblée nationale une opposition sage. Mais protestataires, nous y reviendrons longuement ce soir. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. L'heure est grave, Dominique Régnier. Elle a raison, Elisabeth Borne ben, C'est-à-dire que ce qui, qui s'est passé euh, a quand même une certaine importance, parce que, euh, pour reprendre votre introduction, c c il ne s'agissait pas en réalité d'engager une réforme sur ce texte, mais de gérer euh, une affaire extrêmement importante euh, qui est celle de, de la pandémie. Euh, dont on sait euh, que par nature, elle a un caractère transnational, elle se déplace, voilà, c'est ainsi, les, les virus se déplacent partout. Et donc, euh, euh, empêcher le gouvernement d'appliquer ce qu'il juge bon, euh, à savoir un contrôle aux frontières, pour euh, éviter que de nouvelles vagues avec de nouveaux variants euh, viennent nous compliquer la vie, nous qui sortons à peine des, des vagues précédentes. Il euh, y a quelque chose d'inattendu, je trouve. Ce n'est pas, pas l'opposition à une réforme. Oui. Si qui vous surprend, c'est la nature du texte qui a été rejeté. C'est ça. C'est-à-dire que c'est l'opposition à un acte de gestion publique d'un problème majeur dont on sait tous l'existence, sans avoir de proposition alternative. Donc c'est un empêchement, c'est un pouvoir d'empêcher, oui. c'est un pouvoir de blocage, euh, qui par ailleurs doit beaucoup à l'association des deux extrêmes de l'Assemblée nationale, et qui, au passage, je suppose qu'on y reviendra, a mêlé d'une manière ou d'une autre, par l'abstention ou des bouts de participation, dans cette mauvaise décision pour la Première ministre, puisqu'elle l'interprète comme une très mauvaise nouvelle, a mêlé des partis de gouvernement comme le PS et les LR, ce qui fait qu'on a l'impression qu'il n'y a plus beaucoup d'organisations de, 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 politiques, indépendamment du pouvoir majoritaire, majorité relative. Pour véritablement prendre en charge les fonctions de gouvernement au, à l'Assemblée nationale. Mmh. Alors, il a manqué euh, à la majorité dix députés. Euh, donc, il y en a qui avaient le Covid, il y en a qui étaient en fait euh, des suppléants, euh, mais les suppléants n'étaient pas arrivés en fonction parce qu'ils devaient remplacer des ministres qui sont entrés au gouvernement. Euh, ça peut être un acte, un moment conjoncturel où ils se sont mal comptés, ou est-ce que ça raconte plus que ça sur le rapport de force est-ce que je veux dire, est-ce que c'est mal géré Absolument. par la République en marche, ou est-ce que c'est plus grave Je ne crois pas qu'il faille en faire une affaire d'arithmétique. Je, je crois que même si, peut-être que s'ils avaient tout, tout cela, ils n'auraient pas été battus sur cet article. Encore une fois, ils sont battus sur un article. Hein. Mm -hmm. les, autres ont été, les autres ont été adoptés. Je n'en ferai pas une affaire d'arithmétique. C'est plus révélateur, mm -hmm. au fond, de la possibilité, pour la première fois, on le voit, de, de, de votes, de textes qui vont devenir invotable, soit pour euh, une grande partie de l'opposition qui crée en quelque sorte une sorte de pseudo majorité alternative, hein, euh, l'addition des, des, des Nupes, des, des RN et d'une partie euh, des Républicains. Euh, donc on, on va avoir ce type de, de vote, C'est assez étonnant, surtout hier soir, ça a été mis en scène par les deux groupes qui se sont, les deux extrêmes se sont levés pour applaudir chacun avec leurs propres explications. Ça donnait quand même une impression. Euh, c'est terrible hein, de voir euh, à la fois l'extrême gauche et l'extrême droite finalement dicter un peu sa loi dans, cette, euh, dans cet hémicycle au nez à la barbe des partis euh, de gouvernement qui, qui n'ont pas pu empêcher alors pour certains certains se sont associés une partie des LR ont voté une partie des PS ont voté mais enfin bon ça donne quand même l'idée ça donne l'idée de ce que va être cette assemblée extrêmement difficile euh, extrêmement difficile à gérer on est sur un texte technique encore une fois sur le fond j'aurais du mal à me prononcer parce que depuis j'ai entendu des professeurs professeur Antoine Flau par exemple qui disait que ce n'était pas si important, ce n'était pas ouais. déterminant. Au fond, le gouvernement se donnait la possibilité d'utiliser cette, possi cette possibilité d'avoir euh, recours au pass sanitaire pour les, les voyages extra-hexagonaux. Je ne sais pas si c'est si fondamental que, que ça, mais c'est plus symbolique. C'est-à-dire qu'on voit là, avec ce qui s'est passé hier soir, sur le texte qui sera beaucoup plus important du pouvoir d'achat, qui viendra la semaine prochaine euh, à l'examen de la commission des finances, puis en séance plénière mmh. la semaine d'après, la possibilité peut-être que ce texte-là, beaucoup plus important, Soit ne puisse pas être voté, ouais. mais ne puisse pas être voté, pas seulement parce que euh, les, 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 NUPES et les, 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 les NUPES et les RN voteraient ensemble, mais parce que aussi le texte peut devenir euh, invotable pour sa, la, la propre majorité, parce qu'on voit bien que dans la discussion, il peut y avoir des votes d'articles qui font que le texte gouvernemental devienne devient impossible à voter, puisqu'il y a toute la question euh, d'amendements de, 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 qui euh, euh, coûtent cher euh, au projet de loi et font que la majorité pourrait plus voter son propre, son propre texte. On y reviendra dans un instant. C'est extrêmement compliqué, et là, on n'a que le début peut-être de ce qui peut euh, se passer. En tous les cas, on a notre première situation de blocage, le oui. texte sur le pouvoir d'achat hein. texte. Texte qui va arriver, on verra si s'il euh, peut passer. Et là maintenant, euh, ouais. avant il y a encore euh, quelques jours on disait oui ça peut passer, on verra, c'est pas si sûr que ça. Nathalie saint ils ont été surpris oui. à La République En Marche Ils ont été relativement surpris parce qu'ils pensaient bien que... Ce texte-là était une sorte de texte oui. technique, pensant que le Covid n'est ni droite ni de gauche, euh, considérant que l'article 2 qui n'a euh, pas été adopté était une sorte de parachute, c'est-à-dire quelque chose qu'on ouvre quand il y a un problème, euh, c'est le, le mot qu'a employé le ministre de la Santé. Donc, euh, si vous voulez, je trouve que je suivrai la, la, ce que disait Dominique, c'est-à-dire que c'est extrêmement symptomatique de quelque chose qui n'est pas de la politique enfin plus exactement de la politique au sens noble, c'est-à-dire le problème, on n'est pas en train de s'étriper pour savoir si le SMIC doit être à 1 500 euros brut, mais plutôt une mesure qui ne peut être que pour protéger les Français et on ne voit pas pourquoi euh, la République en marche aurait soudain coup le gouvernement cette volonté d'empoisonner le monde et de faire des claquettes, donc il pensait que mesure technique, ça serait simple et c'est ce, intéressant en ce sens qu'on a vu effectivement, alors le Rassemblement National et la France Insoumise, je parle de cette fraction oui, oui, de la sûr. A toujours été relativement hostile, même clairement hostile au pass vaccinal. On a quand même vu des socialistes s'abstenir, <coughs> ce qui montre effectivement que les socialistes sont un peu gênés aux entournures actuellement au sein de la à voir si les socialistes vont se décoller. Et on a vu effectivement des LR se couper en deux, avec deux, deux clans assez clairs celui, dirons, qui est celui de Xavier Bertrand, qui dit on ne sera pas des bloqueurs dans son interview au point, ouais. euh, en disant en gros faut faire attention, et probablement des Français qui, en voyant le spectacle, si tant est que ça les intéresse de euh, ça, ne, ne, ne voit pas en quoi ce passe vaccinal peut être. Donc je pense que c'est un moment de vérité, ils ne s'y attendaient pas, il y a quelque chose de politicien dans l'attitude. Donc, ça va envoyer probablement un warning, enfin, j'ai l'impression, à chacun, au PS, au Vert, à LR. Et en tout cas, euh, du côté euh, de la NUP euh, et du côté euh, du Rassemblement National, euh, on n'a pas évidemment cette euh, même lecture des choses. Je cite Adrien Quatennens, député de la France Insoumise du Nord, qui dit On nous dit l'heure est grave, euh, mais c'est la démocratie qui a fonctionné. Sous-entendu, on a aussi été élu pour ça, c'est-à-dire pour s'opposer. Là, l'argument qu'ils ont donné, il faut peut-être le rappeler, c'était un argument autour de la liberté, en fait. Oui, en fait, ils en ont fait eux, pour le coup, un enjeu proprement politique, à la fois sur le fond d'opposition frontale au pass sanitaire. Marine Le Pen, on a fait un argument de campagne lors de la présidentielle. Donc pour eux, c'est fondamental hein, dans leur électorat et sur le fond et sur la forme, puisque pour eux, ce moment à l'Assemblée nationale était un petit peu une sorte de déclic ou de démonstration que on change de presque de régime, en tout cas de pratique du régime, et que dans ce cadre-là, la majorité présidentielle devra tenir compte des. Oppositions, ils n'ont cessé de répéter euh, voilà, euh, il faudra composer avec nous. Et là, ils en ont fait la démonstration, notamment du côté du, du RN, qui a donc cette intention de, de s'institutionnaliser davantage. Et là, euh, ils l'ont montré d'une part parce que ils voulaient se montrer euh, euh, unis en, en bloc, euh, à se lever comme un seul homme euh, pour applaudir euh, de manière très massive, ce qui n'était pas tout à fait le cas du côté de, de la NUP, effectivement. Euh, et en plus, euh, ils sont déterminés à utiliser tous les leviers. Euh, de... Et on va en parler, et il y en a à l'Assemblée nationale des abandons. leviers. Exactement. Euh, et on va y revenir, parce que même en commission, ça commence à être compliqué. Est-ce qu'ils se sont parlé, à votre avis, Van Trippenbach Est-ce qu'ils ont fait ensemble un coup eux disent que non, ils ne se sont ah. pas parlé et ça, a ça été... fait sourire à ma gauche. Je... C'était, euh, semble-t-il, spontané. Euh, après, voilà, ils se parlent évidemment dans les couloirs, ils se croisent, euh, ils, se, ils commencent à se connaître. Mais euh, ce qui a surpris, en tout cas, la majorité présidentielle, c'est l'attitude aussi de, de, des républicains qui n'a pas hésité, pour le coup, à voter avec ces deux oppositions. Euh, le RN a donc favorisé LFI, le passage des frontières. Rennes. Oui, oui c est c est pas, paradoxalement. paradoxalement c est, c est, pour LFI, ça ouais. fait plus sens, je trouve, que pour le RN, quand même. De, de... C'est le débat de Marine Le Pen pendant cette campagne sur les libertés. Elle a, beaucoup, oui, elle a oui, commencé sa campagne comme ça. Bien sûr, mais oui, c'est oui. vraiment un événement, je trouve. Ouais. C'est-à-dire que. Euh, voilà. Pardon, son, électorat, enfin, son électorat est assez hostile. Et en commission, quand il a été. On a discuté de ce pass vaccinal aux frontières. Il y a une députée RN qui est intervenu en disant de toute façon ça sert à rien, vous avez bien vu, il y a le Covid, on est vacciné trois fois, quatre fois. Donc cette espèce de très fond, d'antivax, oui. reste oui. là oui. et oui. comme oui. en général... Les il faut, faut ajouter le contexte que ça se passe les électeurs. C'est un vote nocturne, euh, oui. tard, c'est toujours compliqué. Y avait une ambiance. Beaucoup de députés à la buvette. C'est ce, ce, ce que raconte un certain nombre de personnes qui étaient présentes. Résultat des courses, cette bonne ambiance fait aussi que la chacun a voulu un peu. Il y a oui. un côté chiche, quoi. On y va pour le premier texte, y compris sur ce texte où, à mon avis, ils n'avaient pas tous prévu que ça se passe comme ça au départ. Que ça se passe sur ce texte-là, qui, comme vous le rappelez au début de l'émission, était plutôt logiquement un texte qui devait passer, un texte technique oui. qui faisait consensus. En tout cas, 195 contre, 219. L'article est rejeté cette nuit à 1h45. Le gouvernement. Le gouvernement a donc essuyé son premier échec au Parlement avec le rejet de l'article du projet de loi sanitaire. Une alliance de circonstances, on l'a dit, entre LR, le RN et la NUP, qui a vu le jour pour la première fois. Un avant-goût peut-être de ce qui pourrait se passer pendant cinq ans. Théo Manval et Michel Bouilly. Le scrutin est ouvert. 1h45 la nuit dernière, l'heure d'une gifle nocturne pour le gouvernement pour 195 contre 219. L'article 2 est rejeté. Des deux côtés de l'hémicycle, LURN et France Insoumise se lèvent d'un même mouvement et applaudissent. Avec les républicains, ils viennent de retoquer le texte permettant au gouvernement de restaurer un pass sanitaire aux frontières de l'Hexagone. Le nouveau ministre de la Santé est battu d'entrée. Mesdames et Messieurs les députés, je vous ai entendus et je prends acte des discussions de ce soir. Avec lui, c'est tout le gouvernement qui est pris d'insomnie. La Première ministre s'alarme sur Twitter à 1h50. L'heure est grave. Pour le porte-parole à tête reposée ce matin, le camouflet n'est toujours pas digéré. J'ai entendu Mme Le Pen pendant deux ans expliquer qu'il fallait fermer les frontières dès qu'il y avait un nouveau variant. Et ses propres députés ont décidé d'empêcher le gouvernement de mettre en place des mesures de protection aux frontières si un nouveau variant particulièrement dangereux devait circuler dans un pays étranger à la France. Vous avez en parallèle de ça des députés de la France insoumise qui ont décidé de joindre leur voix à celle du Rassemblement national dans le seul objectif de faire battre le gouvernement. Un gouvernement impuissant, donc, qui dénonce un danger pour la démocratie, pour l'opposition, au contraire. Elle fonctionne. L'hémicycle n'est plus aux ordres de l'exécutif qui paierait son rejet massif des amendements hier, portés notamment par la gauche. Tout ça. Vous l'avez refusé et voyez donc ce qui se passe ce soir. Oui, cette chambre d'enregistrement que vous désiriez, cette assemblée de Playmobil qui ne répond qu'aux injonctions de l'exécutif, eh bien, elle est finie. Elle est finie. La première ministre avait pourtant promis la concertation dans son discours de politique générale. Six jours plus tard, à peine, la voilà à l'épreuve des actes. Avec une deuxième chance au Sénat, où la droite lui tend la main, prête à repêcher le pass sanitaire aux frontières, sous condition. Là, moi, j'ai toujours été favorable au contrôle aux frontières, parce que si demain, euh, imaginez que dans un pays euh, quel qu'il soit, il y a un nouveau variant, que ce variant puisse être très dangereux, on doit protéger les Français. Donc, vous à être, la demande de bien la première sûr, ministre. mais on aura des questions à poser, notamment sur la réintégration euh, du personnel soignant. Réintégrer les soignants non vaccinés. L'exécutif dénonce un chantage. Mais ce passerait bien d'un deuxième revers en pleine période de turbulence déclenchée par les Uber Files, ces rendez-vous secrets entre Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, et les dirigeants de la plateforme VTC qui cherchaient son soutien pour s'implanter en France. Hier, en déplacement, le président a répondu par l'attaque à ceux qui l'accusent de favoritisme, avec une petite phrase empruntée à Jacques Chirac. Je conçois tout à fait qu'il veuille s'attaquer à ma pomme. Ça fait cinq ans et demi, je suis habitué très sincèrement comme disait un de mes prédécesseurs ça m'en touche une sans bouger l'autre de quoi prêt. faire bondir aussitôt l'opposition qui dénonce la forme outrancière le masculinisme et la grossièreté on les lui laisse n'est pas chirac qui veut ce n'est pas digne d'un président de la république et voit surtout dans cette phrase une tentative de diversion sur le fond de ces révélations le sujet n'est pas qu'Emmanuel Macron ait rencontré des patrons, euh, fussent-ils étrangers. Emmanuel Macron voulait euh, Uber et l'argent d'Uber. Parce que j'ai vu que son, le lobbyiste en chef d'Uber déclare avoir euh, aidé Emmanuel Macron à lever des fonds. Pour vous, il la y, campagne y aurait eu une contrepartie, c'est ce que vous, bah, vous Écoutez, en tout cas, euh, c'est la crème du journalisme d'investigation qui a fait ces révélations. Moi, je pense qu'on doit maintenant leur emboîter le pas. La NUPES compte en effet demander une commission d'enquête à l'Assemblée nationale. Quand le patron des députés LR en appelle au parquet national financier. C'est une affaire ou c'est pas une affaire bueno, Moi, depuis le début, je n'arrive pas à comprendre, puisqu'on nous parle d'un deal secret, J'arrive pas à comprendre quelle est la contrepartie pour, pour Emmanuel Macron. S'il y a deal, ça veut dire qu'Emmanuel Macron, il y a une contrepartie pour lui. Pour l'instant, on ne la voit pas réellement. Euh, – Moi, je pense qu'un ministre de l'économie doit rencontrer des grands, des grands patrons. Euh, il est dans son rôle d'essayer de, de développer l'emploi et l'attractivité euh, du pays. Le seul point où il y a effectivement discussion, c'est que le ministre lui-même semble avoir encouragé l'entreprise à, à, à produire des, des amendements pour que ce soit porté par un député socialiste anticipant le fait qu'il les prendrait en compte ensuite dans le cadre des décrets. C'est le seul point qu'on pourrait le, lui reprocher. Mais pour le reste, je ne vois pas s'il y a d'illégal. – Vous êtes d'accord avec ça, M. Eh ben, à l'époque, c'est 2015-2016, mm -hmm. hein, donc il est ministre… – De l'économie. – De l'économie, il n'a pas de base politique, etc. Moi, ce que je trouve un peu curieux, il me semble que dans la littérature journalistique qui est sortie à ce sujet, il n'y a rien qui est désigné comme étant illégal. – C'est le cas, effectivement. Hein, – Donc, il n'y a rien. Ensuite, je vois que cette année, la France… Euh, se caractérise par euh, l'importance des flux d'investissement direct en France. On, on bénéficie de beaucoup d'investissements d'entreprises en France en ce moment. C'est une bonne nouvelle pour la croissance de ce pays qui sera difficile. Et je suppose qu'on n'arrive pas à tirer les entreprises sans parler d'entrepreneurs et sans leur offrir des incitations. Je dirais, venez ici, regardez nos infrastructures, etc. C'est le boulot quand même d'un ministre. Mais en France, on a sans arrêt, c'est un aspect culturel qui est peut-être pas si profond que ça, mais que l'on a depuis quelques années, on a sans arrêt un procès a priori à l'égard des politiques. Qui sont en relation avec euh, ouais. des, 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 perso des personnalités d'entreprise. Or, c'est une relation naturelle. C'est l'idée de servir des intérêts particuliers, des intérêts privés, plutôt que l'intérêt général C'est oui, cette idée-là. Parce qu'on pense que l'entreprise ne sert pas l'intérêt ouais. général. Moi, ça me frappe, ça. J'ai des étudiants à Sciences Po, quand ils candidatent, je leur dis pourquoi vous voulez faire Sciences Po, ils me parlent d'ONG, etc. C'est très bien. Hein. Ouais. Je leur dis pourquoi pas l'entreprise Ils me disent parce que je veux servir l'intérêt général. Mais une entreprise qui fait de l'emploi, qui fait vivre un territoire, qui crée de la richesse, qui fait de l'impôt, eh ben, là, l'espèce, il y a un sujet mais ouais, ouais. c'est quand même, par définition, ce qui va faire de la, de la prospérité et de la croissance. – Ivan Trepenbach, puisque c'est votre journal, entre autres, qui fait partie de ce consortium international qui révèle donc, ces données. Oui, alors c'est pas. En fait, il s'agit pas d'une affaire qui se situe uniquement sur le terrain de la légalité, même si euh, l'entreprise en question était euh, sous le coup de diverses enquêtes lorsqu'elle était en, en lien avec Emmanuel Macron, mais plutôt qui interroge les pratiques, euh, nos pratiques démocratiques sur ce qu'est le lobbying, la manière de l'encadrer. Euh, on rappelle quand même qu'Emmanuel Macron a rencontré euh, le, le, les responsables d'Uber. De manière secrète, sans en référer au ministre qui était à l'époque en charge du dossier, en retirant aussi un bénéfice personnel politique en termes d'image lorsqu'il a construit son identité politique sur l'innovation et sur l'ubérisation d'économie. Donc, il y a, il y a voilà cette, cette, ce mécanisme qui s'est mis en place de manière opaque et qui, qui interroge en fait aujourd'hui sur sur la manière dont on encadre le lobbying en France. Donc ce, ce, cette affaire là. Elle donne prise à diverses critiques qui sont exploitées grandement par les oppositions aujourd'hui mm -hmm. sur l'idéologie, sur le projet politique d'Emmanuel Macron et sur sa pratique du pouvoir quand il si n'était à l'époque que ministre de l'économie. Pour vous, ce, ce, ce sujet, c'est un, un dossier très embarrassant pour le, le président. Est-ce que sa réponse était, elle était ferme hein euh, Est-ce est qu'il a, il a réagi convenablement Est-ce qu'on peut, est-ce qu'un président peut dire ça On va le dire clairement. Bon, Allez. Écoutez, on entend de plus en plus de choses un peu spéciales, y compris dans l'hémicycle. cest à ne peut pas dire que la distinction soit la principale caractéristique des politiques de tous les côtés. De tous les taux. Parce que quand j'entends Adrien Quatennens répondant à cette phrase faisant allusion à Jacques Chirac, ça m'en fait... Bon, vous connaissez la phrase, en disant on n'a pas besoin de savoir ce qui se passe dans le caleçon d'Emmanuel Macron. On ne peut pas dire que ce soit un concours de, de mmh. distinction. Ça, c'est mis de côté. Sur euh, l'affaire, ou dite affaire Uber, il a toujours été transparent. C'est-à-dire depuis la commission Attali, qui avait conclu que pour faire progresser la France, il fallait désinguer en gros, pour parler vulgairement, les lobbies. C'est-à-dire qu'il fallait ouvrir le marché, les corporatismes les corporatismes, de manière à ce que, voilà. Deuxièmement, il a toujours dit qu'il considérait que ça permettait à des gens non formés, non qualifiés. Alors au passage, ils ont heureusement retoqué les Uber Pop, qui étaient là en gros, on donne un taxi à des gens qui ne savent même pas conduire, enfin qui ont le permis mais qui n'ont aucune expérience. Et il a toujours considéré que c'était quelque chose. C'est dans son ADN, ce côté libéral qui est de dire que le meilleur gagne, et en fonction de ça, G7 améliorera ses prestations où G7 bougera, Gesserit fera un forfait pour aller à Orly. De... Bon. Donc ça, c'est quelque chose... Il ne nous a pas pris en traître. Oui, mais avec cette idée, comme, cette comme le dit théologie. Philippe Martinez, qu'il aurait utilisé, au fond, euh, euh, que Hubert aurait utilisé le ministre, d'une certaine manière, pour changer les règles du jeu du droit mais, du travail oui, alors, français. Je veux dire, je pense que c'est extrêmement fréquent. c'est pas pour autant, c'est bien. Euh, le lobbying, même s'il est réglementé à l'Assemblée en interdisant aux gens, <coughs> un certain nombre de lobbyistes, parce que c'est devenu un métier aussi, aujourd'hui, d'aller faire pression euh, sur, euh, pour qu'il n'y ait pas tel vote sur, euh, contre l'alcool mm. ou contre le tabac pour des raisons de santé publique. Euh, mais je ne pense pas que. Euh, si vous voulez, le mot lobby est un mot très fort de sens. D'accord. Euh, le lobby, c'est aussi des gens qui vont expliquer euh, pourquoi. Alors. Il y a une frontière qui est difficile à définir, mais des gens qui vont expliquer pourquoi ça serait bien de s'implanter en France, pourquoi ça serait gagnant-gagnant. Et ce qui est vrai dans l'enquête, c'est que on est un peu frappé par les termes employés par les gens d'Uber, qui, en gros, quand ils sortent d'un rendez-vous, alors les rendez-vous secrets, mmh. je pense que c'est pas le seul et celle qu'il a eu, mmh. et qui disent oh, formidable, il est avec nous. Donc on est un peu frappé par ça. Manifestement, quand ils ont été perquisitionnés, quand il y a l'enquête fiscale, rien n'a été bloqué, Dieu merci. Ouais. Mais je ne pense pas que ce soit une, une énorme. Ça le met pas en péril en ah, difficulté politique. Le problème, c'est bon, la contrepartie. C'est ça. Si on a... découvre qu'il y a une énorme contrepartie, ça sera un problème. Ouais. Ça, c'est un scandale, ça. Oui, par, par contre, s'il y a un avantage politique, c'est-à-dire si on dit, euh, si les gens jugent, les Français jugent que ce ministre a bien fait son travail parce que ça a créé de la valeur en France, c'est un avantage politique, mais qui est mérité. C'est le boulot des ministres. C'est un choix politique. Il a, a opéré ouais. un choix politique qui était euh, bon, euh, idéologique. Que, ouais. Macron, il y a deux choses qu'on ne peut pas lui enlever c'est qu'il est pro européen, et il est euh, pour, libéral. il est libéral. Il a plutôt rendu d'ailleurs la France, euh, j'allais dire business friendly. C'est un, de ces, c un de ces, des atouts qu'il a développé. Ouais. Moi, je continue à penser que je ne vois pas où est la, la contrepartie dans ce, qui, dans ce qui est écrit. Alors, peut-être Ivan Trimenbach et puis on fait, bien a, bien. ensuite on revient à l'Assemblée Oui, sur, sur les faits, il est discutable alors, en tout cas de, 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 de faire de cette entreprise un interlocuteur privilégié, alors même qu'elle a pour stratégie offensive et assumée de contourner euh, la loi dans divers pays pour s'implanter euh, dans, pour pour dans les métropoles. d'une le contexte de l'époque aussi. On, ouais. Certes, mais d'autre part, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'impact politique, euh, en dehors de l'affaire elle-même, euh, de, de, de la polémique en fait. Euh, sur Emmanuel Macron, parce que donc on l'a dit, les oppositions s'en sont saisies, ils crient au scandale au premier ouais, scandale du quinquennat, et surtout ça ça, ça enfonce certains traits d'image d'Emmanuel Macron qui sont euh, extrêmement imprégnés déjà mmh. dans l'esprit des Français après un quinquennat euh, passé, et du côté du Rassemblement National, donc le président, euh, qui euh, est la du gauche, côté des entreprises, du pas côté des forts voilà de, de <laughs> libéralisation de, du droit ouais. du travail, et du côté du RN, ça va encore plus loin, parce qu'ils en sont quand même à parler de pactes de corruption, de, donc, de soupçons euh, de corruption active euh, et passive, de, de, alors on a eu le dérapage de Jean-Philippe Tanguy, Numéro 2 du groupe RN à l'Assemblée nationale, qui parle de, de liens incestueux entre le milieu des, des, des banquiers d'affaires et les politiques, voire de. n'est pas un liens intérêt érotiques. très favorable. Mmh. Pardon le, le, le lien entre le monde politique et le monde des banquiers, c'est pas un intérêt très favorable. En tout cas, Emmanuel sort À l'accusateur ici au RN. Ah oui au RN. Ah oui, oui ça c'est pas faux non plus. Avec une fibre complotiste qui est bon. manifeste et, et voilà, et qui sert énormément à la défiance, enfin les oppositions et donc un discours de défiance vis-à-vis -vis de toutes les élites politiques. Et puisqu'on parle d'Emmanuel de, Macron, avant, encore une fois, je vous promets de revenir à l'Assemblée, euh, ce sondage euh, ouais. sur, des, sur la, la, la popularité, sur des, des traits d'image... Il, il est vraiment... Euh... Il, il retrouve les, le, son niveau le plus bas depuis mars 2020, c'est-à-dire avant la crise, la crise sanitaire, 37% de Français qui approuvent son action. Euh, c'est beaucoup plus bas, enfin, cest depuis qu'il a été réélu, il ne fait que baisser, mais surtout, parce que bon, 37%, à la limite, il y a, François Hollande a gouverné avec moins de 20%, donc on n'en est, est pas là, il n'est pas à ces niveaux-là, mais surtout, il a maintenant, il a déjà un soc de 33%, un gros tiers de Français qui n'approuvent pas. Pas du tout son action et on sait que ça par contre en termes de de d'opinion c'est pas très bon pour lui alors que J'allais dire, le quinquennat commence, se lance sur des bases extrêmement compliquées sur le plan économique, on en parlera peut-être, et que les mois à venir là, vont être très difficiles pour le, pour le président. Donc, euh, il, a déjà un, il commence déjà à avoir le vent de face sur le plan de l'opinion. Juste rappeler que ce sera le premier président impopulaire qui n'a de toute façon pas à se représenter. Oui, de toute façon, euh, oui, peut-être plus peut il faut, il faut aussi ouais. Sous-entendu, ça peut ne pas être un sujet pour lui. Ben, ça peut, il peut décider que ce n'est pas un sujet. D'accord, oui. Euh, cette question, merci aux députés. À 88 ans, je rajeunis, me voilà revenu sous la 4ème République de ma jeunesse. Est-ce que ça va se ressembler à une forme d'instabilité politique Est-ce que ça peut tourner de ce côté-là, à votre avis La 4ème, entre 1946 et 1958, il y avait un gouvernement tous les 6 mois en moyenne. Donc euh, on va voir. Parce que ouais. Pour le moment, euh, il faut attendre un peu plus. Euh, mais il faut aussi rappeler que la quatrième euh, a été une période de grande euh, croissance économique, de grand développement du pays. Donc on a été souvent injuste avec cette quatrième République. C'est marrant que, que, que demeure dans l'esprit oui. euh, d'une partie, et, euh, par l'histoire, la connaissance ou bien par, euh, par l'effet de génération, cette image euh, d'une euh, République très parlementaire pour le coup. Mmh. Euh, où les, 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 les ministres euh, changeaient de poste, mais en fait pas de position. C'était en gros les mêmes qui gouvernaient, mais à des ministères différents. Nathalie et, On l'a appelé la mal aimée. Il y a oui, un livre, oui, un livre, un livre oui, de oui, Barcelone disant la mal aimée la quatrième, avec effectivement des choses qui se sont faites, et un certain nombre de lois. Et puis euh, bon, maintenant il y a l'arme de la dissolution. Et puis il y a eu aussi tout ce qu'il a, le discours gaulliste. Qui était de tellement terroriser ah tout oui. le monde en disant l'instabilité. Alors mmh. voilà. Là, effectivement, au début, tout le monde s'est salué, s'est félicité, euh, qui est vraiment une, ré... une démocratie parlementaire, c'est-à-dire que le Parlement réexiste. Mais je pense que chacun est conscient, dans tous les groupes politiques, qu'il faut. C'est du bon usage du Parlement. Alors, c'est-à-dire qu'il faut aller jusqu'à un certain stade pour discuter, mmh. mais qu'à un moment donné, peut-être au moment du pouvoir des chats, si on dit 1000, c'est pas suffisant. La retraite, la 10 point de retraite indexée, c'est pas suffisant. Et que comme c'est pas suffisant, on vote rien. Il n'est pas exclu. Ça va être le jeu de communication et le jeu politique de tout le groupe de dire regardez, on peut rien faire avec eux. Donc je pense que les choses vont, pas, je pense, peut-être je me trompe, ne risquent pas forcément euh, de s'aggraver. Et que ça ne sera pas euh, la quatrième tous les jours en termes au moins de débat. Est-ce que vous pensez euh, les uns et les autres, mais je vais vous donner la parole, Bruno Jedin, euh, qu'à un moment donné euh, les Français vont euh, s'agacer euh, d'un spectacle comme celui-ci, ou au contraire dire c'est précisément ce qu'on a voulu, c'est-à-dire on a voulu prendre le temps, pas passer les textes à la hussarde, on a voulu du débat et on a voulu que ça se passe au Parlement. On a deux éléments d'appréciation sur ce thème-là. D'abord, un, les, les enquêtes qui ont été faites depuis les élections législatives, oui. que les Français... Large, deux tiers des Français, à peu près 71% de mémoire selon un, un, ELAB, euh, pour, un ELAB, disent euh, qu'ils sont satisfaits qu'il n'y ait pas de majorité absolue. Mmh. Et Au fond, euh, les groupes politiques sont forcés à, en quelque sorte à, à, à trouver des compromis ensemble. Donc, moi, je ne suis pas sûr que les Français euh, n'aiment pas cette situation. Je crois que dans un premier temps, ils vont regarder ça euh, avec l'idée qu'ils vont devoir s'entendre, en tous les cas. Le pense-t-il C'est-à-dire qu'ils vont devoir trouver des compromis. On leur parle beaucoup de ça. Elisabeth <coughs> Mordez, ça a été son mot, son mot magique pendant ce de politique ouais. général, le compromis. Emmanuel Macron l'a dit aussi lors de son allocution. Il redira probablement demain en fixant aussi des lignes rouges. Pas, pas plus d'impôts, pas plus de dettes. Alors évidemment, tout ça paraît un peu contradictoire quand on entend les différents discours. Mais au fond, les Français se disent, après 5 ans euh, de vote euh, au canon euh, sur tous les textes, voilà, était, euh, ouais. un vote, euh, le, le président décidait et il y avait les, les votes derrière, euh, ils ont décidé de renverser la table et de forcer ouais. au fond, les groupes politiques à s'entendre. On a l'impression que les Français ont réélu Emmanuel Macron, mais ayant été un peu, pour une partie d'entre de ouais. eux, forcés à le, à le réélire, ils ont rééquilibré les choses politiquement en, en brouillant les cartes à l'Assemblée. Mmh. Peut-être que dans un an, ils en auront ras le bol et qu'ils diront... Ça dépend vers. comment peut-être les choses se passent, vous l'avez dit rapidement tout à l'heure Ivan Trippenbach, même en commission, c'est-à-dire qu'il y en a à l'Assemblée qui connaissent parfaitement euh, les usages et la vie parlementaire et les outils qu'ils peuvent utiliser euh, pour euh, soit ralentir, soit gêner euh, le, le travail de, de, de la majorité relative. Euh, et ça, ça peut à un moment donné vraiment, euh, je ne sais pas comment ça peut être perçu dans l'opinion, en tout cas ça peut apparaître. Comme de l'obstruction Oui, euh, ça, tout à fait. Alors, euh, le groupe Rassemblement National est un, dans une situation un peu euh, particulière par rapport à la gauche. Ils ne connaissent pas, en fait, les codes et les usages de l'Assemblée, pour le moment. Et donc, il y a une période de rodage. Mais pour la NUP, pour la, par la, exemple alors Parce pour que la NUP, ils, sont, ils, ils assument complètement l'obstruction, voilà, euh, la production d'amendements euh, en profusion. Il euh, y a une, des manœuvres dilatoires qui, sont, euh, qui font partie de la technique politique. Et ils ont euh, quoi comme euh, outil par exemple, bah, les, produire énormément d'amendements, euh, par exemple, les rappels au règlement, euh, par exemple, le fait d'animer de, de, l'hémicycle et de faire beaucoup de bruit pour déstabiliser euh, les adversaires, les ministres, tout Ce qu'ils ont on fait, là, récemment ?– Oui, bien sûr, ce qu'ils ont fait récemment, et ce que le RN a un peu commencé à faire, quand même. Hein, – euh, On va le en parler dans un, un instant, ouais. du RN. Hein. – Donc, euh, voilà, il, le, le RN se, se, se décoince aussi de ce côté-là, donc peut-être que l'image très lisse de sérieux et de discipline va aussi se craqueler, on va pouvoir l'observer. Mais je reviens juste sur les électeurs parce que ce qui est très intéressant, ce qui me frappe dans les reportages récents, c'est que même des électeurs qui ne sont pas électeurs de. de, de, de euh, enfin, tous les électeurs en réalité, disent qu'ils sont contents d'avoir davantage de, de dialogue, davantage de, 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 de compromis attendus, de, 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 de parlementarisme en réalité. Et ils attendent beaucoup de, de cela et j'ai. Pas eu l'impression qu'il y avait euh, de l'inquiétude ou de l'agacement euh, dans les premiers jours de la législature. On a parlé à l'instant du Rassemblement national, on va en parler plus dans le détail, parce que c'est vrai qu'on pourrait appeler ça la stratégie du bon élève. Les députés RN sont arrivés au Parlement avec une ligne claire après la dédiabolisation. La respectabilité. Les troupes sont priées de se présenter tirées à quatre épingles, avec comme consigne de ne surtout pas jouer le blocage, même si sur le fond, ils n'ont rien abdité de leur ligne politique. Juliette Perrault, Juliette Vallon et Arnaud Fora. Cravate bien ajustée, costume bien repassé. Au Rassemblement national pour la photo de groupe, c'est tenue correcte exigée. 89 députés qui espèrent se fondre dans le jeu parlementaire. Après la dédiabolisation et la normalisation, le RN vise l'institutionnalisation. Exercice pratique dès le discours de politique générale. Mes chers collègues, s'il vous plaît. Alors que les députés de la Nup se font rappeler à l'ordre, pas de telles manifestations dans l'hémicycle s'il vous plaît, madame la Première ministre continue. Le Rassemblement national, lui, est sage comme une image et joue la carte du bon élève. Nous ne souhaitons pas être une opposition d'obstruction, mais de proposition. Pas une opposition de principe qui chercherait à mettre le pouvoir à la faute. Pour la première fois de l'histoire, le parti occupe deux des six vice-présidences de l'Assemblée nationale. Sébastien Chenu a même déjà eu l'occasion d'occuper le perchoir. Parmi les nouveaux visages du RN, Edwige Diaz, 34 ans, députée de Gironde. Une première pour elle au Palais Bourbon. Dans ma mallette, j'ai ma tablette qui me permet de suivre euh, l'avancement euh, des votes des amendements, par exemple. C'est ce qu'on a fait hier en, en séance. On a fait le, le, donc le badge qui est, qui est important pour pouvoir rentrer dans l'Assemblée. Sur le comportement à adopter dans l'hémicycle, pas de consigne du parti, assure-t-elle. Les éléments de langage sont pourtant bien là. Tout le monde euh, pourra remarquer qu'il y a une différence nette de comportement entre nous, députés du Rassemblement euh, national, qui nous caractérisons par notre sérieux, et l'attitude indigne euh, des députés euh, de la NUPES. La, la NUP, cible la du RN, accusée de ne pas jouer le jeu des institutions. Lorsque la coalition de gauche dépose une motion de censure contre Elisabeth Borne, Marine Le Pen brille par son absence. Le parti d'extrême droite reste dans les rangs. Nous n'avons pas besoin d'une crise de régime. C'est pourquoi les députés du Rassemblement national ne soutiendront pas cette motion de censure. Un RN qui serait à entendre les cadres du parti, une opposition plus responsable. Alors qu'importe si le projet de loi sur le pouvoir d'achat est imparfait, eux se disent prêts à le voter pour le bien des Français. Moi, je me vois mal dire à des millions de concitoyens qui attendent euh, un certain nombre d'aides, même si, encore une fois, elles sont imparfaites, qu'on va renverser le gouvernement et attendre six mois supplémentaires, parce qu'il y a beaucoup de Français qui ne peuvent pas attendre six mois supplémentaires. Une posture surjouée qui cache une toute autre réalité dénonce la France insoumise. C'est pas parce que des gens mettent des costumes que, pour autant, euh, ils ce sont des gens qui, euh, de mon point de vue, ne sont pas euh, porteurs. Euh, de propositions qui sont en réalité antisociales, ne sont pas porteurs de propositions qui fracturent le pays plus qu'ils rassemblent, qui ne sont pas porteurs de l'éternel argument qui vient d'extrême de droite, de l'étranger responsable, l'étranger bouc émissaire, l'assisté qui nous coûterait trop cher. Car le RN d'aujourd'hui a conservé les idées d'hier. Sur la question de l'avortement par exemple, la nouvelle députée du Var, Laure Lavalette, est rattrapée par des déclarations anti-IVG qui datent de 2014. Marine Le Pen, elle, reste sur le fil. L'IVG, euh, c'est un problème qui touche parfois à la religion des gens, mmh. à, à, au sentiment religieux, euh, à la, aux croyances. Et donc, ce sont des sujets qui sont complexes à, à, à aborder. Lundi, c'est une déclaration de Jean-Philippe Tanguy sur le passé de banquier d'Emmanuel Macron qui a marqué les esprits. Il ne connaît rien au droit bancaire, il ne connaît rien à la pratique financière. D'ailleurs, M. Rochel l'a dit lui-même dans plusieurs témoignages. Il a pris M. Macron parce qu'il était sympa et qu'il savait solliciter les aspirations au moins érotiques d'un certain nombre de cadres. Un dérapage pas vraiment assumé par la nouvelle députée. Je pense que vous pourrez directement demander à Jean-Philippe Tanguy, qui n'est pas loin, là, qui est juste derrière, que j'ai croisé en arrivant. Mais voilà, ouais, moi je connais bien Jean-Philippe Tanguy, c'est vraiment quelqu'un de, de brillant. Prochaine étape pour le parti, la désignation d'un nouveau chef de file cet automne, qui ne sera a priori pas un membre de la famille Le Pen. Votre réaction, Ivan Trippenbach, à, à ce reportage, c'est vrai que on en parlait tout à l'heure avant, le, avant de, de voir comment il se comporte à l'Assemblée. Apparemment, euh, on est respectable, euh, on se tient bien à l'Assemblée, en gros, on se pose en opposition quasiment à l'attitude des députés de l'ANUP. C'est ça l'idée. Ça ne veut pas dire que sur le fond, on a changé d'avis. – Oui absolument, en fait déjà c'est une consigne euh, très explicite de Marine Le Pen à tous ses députés de voilà de bien se tenir, d'être poli, euh, sérieux, euh, de siéger. Euh, hier par exemple, cette nuit, ils étaient plus de 70 minimum dans l'hémicycle à chaque fois pour voter, donc ils sont là, ils sont présents. Euh, après, euh, la difficulté et ce qui tétanise un petit peu la majorité présidentielle, c'est que euh, tout le monde s'attendait à ce que les députés RN soient euh, violents verbalement, euh, produisent du désordre ou euh, fassent un petit peu n'importe quoi à l'Assemblée. C'est pas le cas, il y a toute une génération de députés qui sont arrivés dans ce parti pour Marine Le Pen, qui sont assez jeunes, qui ont 30 35 ans et qui sont travailleurs, qui ont développé voilà, leur expertise sur des thématiques différentes que L'identité et l'immigration. Donc euh, voilà, on a vu Edouard Diaz euh, ou Jean-Philippe Tanguy dans le reportage, ils en font partie. Et donc c'est un peu déstabilisant pour ceux qui ont encore euh, l'image de, de l'extrême droite euh, mm. euh, qui serait incomplète et qui n'inclurait pas cette dimension populiste-nationaliste qui est assez nouvelle. Dominique Régnier, après la dédiabolisation, là c'est l'étape d'après, c'est euh, l'institutionnalisation Oui, c'est ça. Euh, et, et dans. Dans une France qui est, on ne le montre pas assez, mais c'est un sujet qui est incroyablement plus à droite, où la droite est incroyablement dominée, cette fois-ci, par le RN. RN. Et donc, c'est même en quelque sorte, je pense, un processus qui dépasse un plan au RN. Ils sont, malgré eux, par leurs succès électoraux, euh, installés au cœur du dispositif. Et donc, euh, ils s'y adaptent en devenant euh, des pièces maîtresses du jeu. Parce que c'est là que ça va se passer. Et donc, il y a cet effort qu'ils font sur eux-mêmes, alors qu'il peut tenir plus ou moins longtemps pour plus ou moins de, de parlementaires, on va le voir. Mais malgré tout, euh, euh, voilà, ce que vous disiez, c'est très juste sur le parcours de certains ou le profil de certains. C'est aussi parce qu'une partie maintenant de cet électorat et de, ce, de, de cette organisation, c'était autrefois à droite. Et donc on, on voit arriver, on voit arriver une espèce de nouvelle droite où, où, où le RN contribue à, à, au passage d'une droite plus classique qui pouvait être dure hein, mmh. à, à une droite RN. Et donc c'est en train de remodeler toute la droite française euh, avec des, des LR là qui pour le moment sont vraiment la, 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 une petite portion d'ailleurs pas tout à fait au clair sur ses propres sur sa propre doctrine. Donc c'est une phase qui va être durablement favorable au RN. Ils n'ont pas intérêt. Il faut pas oublier que le fond au fond, au fond, si on avait une chose à dire du côté du RN, c'est nous sommes le parti de l'ordre. C'est ça, en gros, le message fondamental. Ils ne peuvent donc pas être ceux qui sèment le trouble dans l'Assemblée. Et par contraste à l'effet, comme chacun l'a remarqué, eh bien, lorsque LFI se met est... À, à brailler en particulier, ou à s'agiter, ou à faire des, des happenings un peu, un peu brutaux, eh bien, si le RN se comporte ouais. euh, de manière plus posée, ils auront... Un... Regardez cette question de Jean dans la sorte qui, visiblement, est sur la même ligne. La NUP se, se rend-elle compte que c'est son comportement qui rend le RN honorable par sa bonne tenue Ça rend, ça rend encore plus facile la tâche de, de notabilité. De, de Marine mmh. Le Pen, qui, qui profite finalement, euh, par contraste de, de l'attitude euh, de, des députés de la NUPES, pour justement encore mieux installer euh, la, le côté rassurant presque des de, de, élus du Rassemblement mmh. euh, national, qu'on ne connaît pas, ou peu, et qui euh, euh, pour l'instant euh, sont, comme vous dites, tirés, euh, tirés à quatre épingles. C'est une revanche quand même assez euh, incroyable pour Marine Le Pen, battue à la présidentielle où elle n'a pas fait très bonne figure dans entre deux tours et, et là finalement euh, avec euh, un nombre de députés très important euh, elle est presque relancée alors qu'on nous disait que bon c'était fini pour elle, elle se retrouve relancée, elle se retrouve présidente de, du pro, premier groupe de l'Assemblée de l'Assemblée nationale alors il y a quand même un risque derrière ça c'est que euh, à force de vouloir être de tout banaliser, d'être lisse, euh, bah, il peut aussi être euh, euh, distancé sur le terrain de l'opposition. C'est-à-dire qu'à euh, vouloir trop peut-être euh, discuter de textes avec la majorité, euh, à, à jouer les bons élèves, euh, elle peut aussi. Alors bon, on va voir. Ça hier. commence non. seulement. On sait pas ce qu'ils ont ça fait hier. Ça ce... commence seulement et ils n'ont ouais. pas fait ça hier. Donc ouais. euh, quelque part, ils peuvent aussi être imprévisibles et surprendre, y compris euh, la majorité qui pensait pas avoir si tôt euh, une alliance. Euh, ouais. Hérène Nupes dans l'hémicycle. Et puis Nathalie saint ah, pardon, allez-y. Il vient très peu de Il, il s'installe aussi au cœur des institutions et en fait, oui. ils sont aidés par la majorité présidentielle d'une certaine manière. C'est pour ça que je parlais de tétanie, qui, qui est un peu déstabilisée en fait par rapport à, à ce groupe, euh, euh, aux pratiques, disons, euh, qui les surprennent. Euh, euh, le fait, par exemple, qu'ils brouillent les repères. L'institutionnalisation, c'est pas seulement le fait d'occuper, de, de, par exemple, comme le fait Sébastien Chenu, vie, le perchoir. Voilà. Euh, lorsqu'il préside les séances ou d'être euh, massivement installé euh, dans l'hémicycle, c'est aussi euh, brouiller, euh, les, les, inverser les valeurs républicaines. Par exemple, Sébastien Chenu, dans son discours, disait « Nous avons fait avancer le, les, les, la liberté, l'égalité et la fraternité avec leur euh, position euh, contre le pass sanitaire. » Et ce discours, il l'emploie en permanence et de manière beaucoup plus forte, beaucoup plus intense ces derniers jours. Mmh. Euh, par exemple, il renvoie euh, le populisme… À la Macronie, il parle de, de la DUM en disant qu'ils sont sectaires et extrémistes. Il parle de barrages républicains contre la gauche. Donc, il se positionne sans cesse du côté de, de la République. Et à ce jeu-là, la majorité présidentielle a un petit peu de mal à, à répondre et à répliquer, à se positionner par rapport à eux. Donc, l'institutionnalisation, c'est un phénomène, un processus qui est, qui est en fait complet, qui est pensé par Marine Le Pen depuis une dizaine d'années en fait, et qui s'accélère dans les derniers jours puisque. Effectivement, il joue l'opinion ouais. publique dans les médias et le jeu. Alors sur le fond, quand vous entendez euh, euh, Gérald Darmanin parler d'expulsion des étrangers condamnés pour des actes graves, et puis Marine Le Pen qui dit dans la foulée, euh, nous pouvons d'ores et déjà vous dire que nous voterons cette mesure dès demain. Est-ce qu'il y a la volonté de la part d'un euh, éminent du gouvernement de tendre la main au, au, au Rassemblement national parce qu'ils disent exactement le contraire Ils disent qu'il n'y a oui, non, pas d'accord possible. En fait, c'est pas tendre la main, c'est euh, considérer que dans le corpus idéologique du Front national, du Rassemblement national. Oui. Il y a un certain nombre de choses que les gens trouvent de bon sens, c'est quand quelqu'un a commis un acte grave, un crime grave, il n'y a aucune raison de le garder. Mais pour juste rajouter deux choses, institutionnalisation, oui, avec le nombre de collaborateurs à l'Assemblée, donc professionnalisation du Rassemblement National, l'argent donc, ils vont pouvoir avoir de l'argent. 1,64 mmh. euh, euros par député pendant. Ça veut dire, par je bon crois temps. que le, par bulletin. Donc, je pense qu'à terme, c'est 35 milliards plus les dotations millions, sur millions, les 5 millions, ans. Millions. Pardon, millions, oui. excusez-moi. 35 millions sur les 5 ans. C'est le quoi qu'il en coûte, Nathalie la notabil, Et la notabilisation <laughs> de Marine Le Pen. Et avait quand même une, ça, une, une inquiétude, et chez les LR, et dans ah. la majorité, qui est de se dire, si elle est raisonnable, euh, si elle fait de temps en temps bon obstacle au bon moment, bah eh ben, la prochaine fois il euh, y aura pas de problème. Ouais. Dire qu'il y, y aura pas le puisqu'on voit que le front républicain ou le barrage A s'affaiblit ouais. de plus en plus, donc d'où un certain nombre de postures de Darmanin par exemple et j'en reviens à votre question, il oui. dit dire il y a des ennemis, il y a des adversaires. Donc il renvoie ennemi le euh, le front LFI et le rassemblement oui. national, mais depuis le début quand il lui disait vous êtes molle quand il avait été en débat avec elle, de récupérer un certain nombre de. Mais quelle est la stratégie Est-ce qu'il y en a une euh, de ouais. la part du gouvernement sur des textes à venir On sent bien qu'il y a beaucoup. On a parlé des heures supplémentaires défiscalisées. On voit bien qu'il y a des bouteilles à la mer. On ne dit plus main tendue, je suis oui. d'accord. Mais, mais que, que sont-ils en train de jouer Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de stratégie. Ah bon. Ils sont en panique. Il y a simplement l'idée qu'il va falloir négocier texte par texte et qu'il va falloir passer des textes. Et encore une fois, Aujourd'hui, rien ne dit que le texte pouvoir d'achat, qui est le prochain texte, passera. Ils en sont là aujourd'hui, le gouvernement. Il leur manque une quarantaine, une quarantaine de voix. Ils sont dépendants, grosso modo, le groupe qui est le plus... Euh, avec lequel ils peuvent trouver des compromis, c'est le groupe LR, mais on voit bien que le groupe LR ne va pas être simple non plus mmh. euh, à manier. Le groupe RN, ils ne vont pas vouloir systématiquement avoir la pointe des voies RN, donc c'est très compliqué. Je pense que le gouvernement aujourd'hui est plutôt inquiet et que et la grosse inquiétude au-delà du texte pour l'achat, c'est le budget. Et là, il y a des lignes rouges sur euh, le budget. Il oui. y a les, li les lignes rouges qui s'appellent pas de hausse des impôts, pas d'aggravation de la dette. Et là, euh, bon, il y a pas le 49.3 qui est possible. Mais... Et pour prolonger ce que Bruno disait, qui n'est pas de stratégie ou pas de ligne, c'est sûr. Mais il y a cette espèce avec le quinquennat de rouleau permanent qui est qu'on est à peine élu, on pense à la suite. C'est-à-dire qu'on est déjà sur 2027. Donc Gérald Darmanin, il a toujours été logique, il a toujours penché à droite. D'abord, il est de droite, tout simplement. Et ensuite, il pense à après et il ne veut pas laisser un boulevard. C'est ça qui joue Un boulevard. Ouais, tu fais ça Mais il joue, il pense simplement que c'est ce qu'il faut faire si on ne veut pas laisser un boulevard ORN. ou ouais à une droite qui pourrait être un mélange, une espèce de recomposition de droite de gouvernement où on ferait, mettrait tout le monde, donc euh, et, et, et tout le monde pense à ça. Marine Le Pen pense à après chez LFI, on pense déjà après et dans le gouvernement on pense déjà après. Mmh. Allez, Dominique. Il faut pas oublier certaines mesures, notamment celle d'expulsion de, d'étrangers euh, qui seraient ici des délinquants. Euh, C'est aussi une façon de répondre à une attente d'une partie de l'opinion, et en particulier dans la classe ouvrière et les classes populaires. Ouais. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, à la rentrée, vous coltiner euh, les classes populaires sur le pouvoir d'achat et, et, et laisser le sentiment que ça ne vous intéresse pas du tout de répondre à certaines attentes par ailleurs. Donc je pense qu'il y a objectivement, sans stratégie ni discussion, il y a objectivement un intérêt à ne pas avoir mille feux allumés au moment de la rentrée, parce que ce sont des questions auxquelles les enquêtes sont là-dessus formelles, et puis aussi les comportements électoraux, très clairement, il y a une attente de ce côté-là. En tout cas, alors que l'exécutif et le Parlement et les oppositions cherchent un chemin, une méthode, les maires ruraux appellent, eux, à être davantage écoutés. L'urgence est de désenclaver les territoires, eux qui pèsent un tiers de la population. Aubry Perrault et Diane Ketcharella. La Grêle, village de la Loire de 880 habitants, dont une partie de personnes âgées, sur qui il faut veiller. Et c'est bien souvent Madame la mère qui s'en charge. Bonjour Mousse. Ce jour-là, elle rend visite à Gérard D. Mousse. Ça va Mousse ça coupe Comment ça va ça coupe et... et elle ne vient pas que pour ses soucis de télévision. Est-ce qu'on peut regarder votre dossier médical ouais. Vous pouvez aller le chercher ouais. Et puis on regarde Ok, merci. Isabelle Dugelet aide surtout cet habitant de 79 ans à gérer ses rendez-vous médicaux. Vous notez bien ça sur votre calendrier, hein, il ne faut oh pas, non, faut oui, pas oui, oublier. Oui, voilà, bon. Et vous n'avez pas d'analyse de sang ou d'autre chose oh non, 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 non. Non Si c'est oui. l'élu qui s'en charge, c'est qu'ici oui. difficile de faire venir des aides à domicile ou des infirmiers, trop peu nombreux. Un maire rural, on sait qu'il est un petit peu euh, à toutes les sauces, hein, comment dire, mais. Euh, mais aussi finement, non, parce que cette situation ici aujourd'hui, c'est vérifier des rendez-vous, mais il y a des tas de, de prises en charge qui vont au-delà. Ce qui est révoltant, c'est que tous les habitants contribuent au système de santé euh, par leur cotisation sociale et que nous sommes pas tous logés à la même enseigne. Palier les manques ici et là, avec de moins en moins de moyens pour cela. D'année en année, Isabelle Dugelet voit les dotations de l'État baisser. Entre 2014 et 2020, pour ma commune, la Grêle, de 106 666, on arrive à 88 828. Un casse-tête pour Madame le maire, qui doit également se passer depuis deux ans de la taxe d'habitation. Et nouveau coup dur le mois dernier, lorsque le gouvernement décide de revaloriser le point d'indice des fonctionnaires. Pour les employés municipaux, ce sera à la charge de la commune donc. Sans compensation de l'État. Je pense que le grand problème du président Macron, c'est qu'il a jamais été élu euh, maire d'une ville, euh, et donc cons conséquence, il euh, y a des grands principes comme ça euh, qu'il a édictés, mais qu'il a jamais eu à, à gérer vraiment euh, des finances locales, et que finalement, c'est quand on est sur le terrain euh, qu'on peut juger de tout ça. À la mairie, dans les rues du village ou chez le coiffeur, un même sentiment. Une colère qui monte, avec un moyen de s'exprimer, les élections. À la présidentielle, Marine Le Pen est arrivée en tête ici, au deuxième tour. Il y a eu ces votes pour faire bouger les choses. Après, je ne sais pas forcément si ça fera bouger plus, mais c'est que les gens en ont ras-le-bol. Et du coup, euh, ils ont voté euh, en campagne. Euh, ce qui, il y a eu beaucoup le même vote, quoi, disons. De contestation Oui. On a des, gens, des hommes politiques qui ne, pas la qui ne connaissent pas la ruralité, qui ne connaissent pas la, les difficultés qu'on a chez nous. Voilà, c'est tout. Il faut qu'ils euh, qu se bougent, il faut qu'ils euh, regardent ce qui se passe dans nos campagnes. Parce qu'il n'y a pas que les campagnes, il n'y a pas les euh, plus de 60 millions de Français, ils n'habitent pas qu'à Paris. Exactement, <laughs> oui. Alors, pour sa commune, Madame la Maire a appris à ne rien lâcher. Si tout va bien, on pourra faire en 2023. Donc euh, la cheminée, ben, pas de souci. De toute façon, ça ne veut pas bouger. Ça en a fait contrôler. Cette friche industrielle, ils ont eu l'idée de la transformer en centre culturel voilà six ans. Mais pour obtenir des subventions, il a fallu attendre longtemps. Le symbole, selon eux, que les petites communes ne sont pas la priorité. Alors la nomination d'une secrétaire d'État à la Ruralité la semaine dernière les laisse dubitatifs pour l'instant. C'est un effet d'annonce, c'est bien, c'est très bien, c'est essentiel. Mais encore une fois, une personne peut pas tout. Il faut vraiment derrière que, que, le, que le gouvernement s'empare du problème et puis euh, agisse. Et agisse en, en direction de nos petits territoires. On ne peut pas toujours être les oubliés de la, de la République. On ne compte pas pour grand-chose. Voilà, moi je dis, nous les petits maires, on n'est voilà, pas pris toujours au sérieux, alors qu'on fait un travail de terrain considérable. Vraiment, on a ce sentiment un peu de rejet même parfois aussi. L'Association des maires ruraux demande au gouvernement un programme d'urgence pour répondre à ce qu'ils appellent la détresse du monde rural, qui représente un tiers de la population française. Et vous étiez sensible, Dominique Régnier, à ce que disait cette femme. Il faut écouter ces petits mères qui font le, qui font le job, comme on dit, sur le terrain. Mais un, je pense qu'on n'a pas vraiment idée, sauf que quand on en croise quelques-uns, mais euh, c'est une sorte de classe politique pas rémunérée, euh, qui prend sur ses dimanches, sur tout son temps, on l'a vu d'ailleurs dans le reportage, qui rend des services, un service public, mais incroyablement précieux. Et qui, il faut le dire, pendant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, n'a pas été considéré du tout. Ça n'existait pas. Ça a changé. Ça a changé lors du discours de politique générale. Euh, la Première ministre, à plusieurs reprises, fait référence à la nécessité de partager le pouvoir avec les élus locaux. C'est une aspiration, c'est une justice aussi, parce que beaucoup se passent cela. Et on ne peut pas, euh, si vous décidez de, de modifier le point d'indice, c'est-à-dire d'augmenter euh, les fonctionnaires également territoriaux, vous ne pouvez pas laisser une petite commune se débrouiller comme mmh. ça. C est, c est, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas la structure, ils n'ont pas les services juridiques. Enfin, c'est vraiment, sont des, des héros du, du, de la démocratie locale. Mais cette question, regardez, je vis à la campagne, je suis obligé de prendre ma voiture pour tous mes déplacements, comment vais-je être aidé Je pense que cette personne-là, elle attend que le débat à l'Assemblée sur le pouvoir d'achat arrive oui. à son terme rapidement. Mais c'est une question cruciale par rapport euh, au reportage que nous avons vu, parce que que pour aller chez son médecin, il faut prendre de plus ouais. en plus sa voiture. Pour euh, aller faire ses courses, pour aller à un service public quelconque, etc., il faut prendre sa voiture pour aller de plus en plus loin. Donc là, il y a une vraie difficulté. Ça va rajouter euh, à cette espèce de zone blanche qui est, qu est la France rurale. La formule est un peu excessive de l'appliquer ainsi, mais enfin globalement, quand même, tout est très loin et grosso modo, 90% des cas, il n'y a que la voiture. Mmh. Votre réaction à ce, à ce reportage et d abord, d abord, à, à ce que disent ces élus locaux, on a l'impression on, on l'entend euh, tout le temps, hein, cet appel, depuis le début d'ailleurs du quinquennat, euh, premier quinquennat d'Emmanuel Macron, de cette idée de ces. On a beaucoup parlé du débat qui s'organise avec les parlementaires. Euh, Est-ce que dans cette deuxième partie de quinquennat, il va avoir à cœur d'écouter peut-être un peu plus ces territoires Moi, ce qui me frappe dans votre reportage, c'est euh, finalement une espèce d'abattement mmh. chez, chez ces maires, chez ces élus euh, ruraux. Alors que euh, Emmanuel Macron euh, a fait son mea culpa après le grand débat, il les a beaucoup écoutés. il a fait le tour de France, souvenez-vous euh, ces, ces heures de débat qu'il avait, euh, qu avait donné l'impression de les écouter, qu'il a nommé un secrétaire d'État chargé de la ruralité, euh, et qu'au fond euh, il y a eu, euh, j'allais dire des, des, des décisions, mais sans doute que euh, c'est pas descendu jusqu'au bah. jusqu terrain, pas, pas suffisamment. Euh, il y a un secrétaire d'État chargé euh, de la ruralité qui a été nommée. alors C'est un profil différent de son prédécesseur. C'est une élue de, de Toulouse, là où son prédécesseur était un élu rural de, des Hautes-Alpes. Euh, mais on sent qu'ils en ont beaucoup entendu de promesses et qu'ils sont maintenant plus ouais. question que tout bas. C'est la suppression de la taxe d'habitation. Certes, mais on, on, l a l a vu. on leur a supprimé des ressources. On leur a supprimé, on a entendu la ça, de bien. la grêle qui dit euh, ben voilà, les que mes ressources ont baissé. De manière très importante, la seule mmh. décision qui soit descendue tout en bas et, et de manière spectaculaire, c'est la suppression d'une ressource qui donnait les moyens euh, aux communes. Alors elles sont compensées par partie, mais jamais tout à fait, et puis ça crée. Euh, c'est une perte d'indépendance et d'autonomie des élus locaux. Mmh. Nathalie Saint-Cric bah, Moi, euh, je ne suis pas une spécialiste des euh, villages ruraux, mais pour y être allée très récemment, en Corrèze notamment Les communes rurales commune rurale, euh, il y a trois obsessions. Euh, L'obsession du transport, de la ligne qui va fermer, c'est-à-dire ils vivent dans une, dans une angoisse des petites lignes dont on sait ou dont on dit qu'elles ne sont pas rentables, donc ils n'ont ouais. pas l'assurance d'être effectivement désenclavés. Parce que s'ils ne sont pas désenclavés, il n'y a pas de gens qui viendront par là. Il y a, ils, ont, ils ont envie d'avoir des jeunes. Ils ont envie d'avoir des, des jeunes, ils ont envie d'avoir une école, ils ont envie d'avoir un médecin. C'est-à-dire qu'ils ont bien, il y a des maisons France Service pour les services publics, mais effectivement, quand on est dans un village un peu isolé et qu'on doit, d'abord, trouve, ils ne trouvent pas de médecin traitant, ensuite ils ne trouvent pas spécialiste, c'est-à-dire qu'il faut faire, faut attendre trois, quatre mois pour trouver un ophtalmo, un gynéco. Voilà. Et effectivement, euh, ils voudraient juste avoir un cadre, avec en plus moins d'argent, mais un cadre pour savoir comment ils peuvent se développer avec les me meilleures volontés du monde. La meilleure volonté du monde. Est-ce que cette écoute-là, ne viendra pas de ce que le président euh, euh, avait annoncé Une nouvelle façon d'organiser le débat, outre ce qui va se passer au Parlement, ce Conseil national de la refondation, avec l'idée de faire euh, dialoguer des gens de la société civile, des gens des entreprises, des élus de terrain, et, et de renouveler un peu le débat euh, public Bon, vous n'y croyez pas, Evan Tripenbach, à votre non. mou, je vois que vous n'y croyez pas. Si j'y crois, je... en tout cas, ce qui est certain, c'est que le, le thème du, de l'enclavement et le sentiment d'abandon ont produit euh, l'élection de 89 députés d'extrême droite à l'Assemblée nationale. Et en oui, fait, oui. la quasi-intégralité de ces élus parle de la ruralité spontanément et de leur désir d'être le porte-voix de cette ruralité ou de cette France qu'ils disent abandonnée. Donc, ça, c'est très significatif. Et il est très bien que le chef de l'État euh, euh, essaie d'y de, de, répondre à sa manière. Euh, euh, après, il y a les solutions qui sont mises euh, en face, et on parlait de, de l'institutionnalisation du rassemblement national. Là, c'est intéressant parce que leurs solutions, en tout cas pour le moment, sont extrêmement euh, idéologiques et correspondent en fait à leurs projets, euh, disons historiquement, euh, d'extrême droite, puisque pour le coup, euh, ils opposent systématiquement la ruralité à d'autres parties du territoire, comme les banlieues, comme euh, certaines métropoles et aussi euh, deux types de populations. Et là, c'est tout le projet de Marine Le Pen, en réalité, de discrimination euh, légale des étrangers de priorité nationale. Et nous revenons maintenant à vos questions. Une question d'Alain Haute-Garonne, Elisabeth Borne et ses ministres ont-ils conscience que le pouvoir est désormais à l'Assemblée nationale et non plus à l'Élysée Dominique avez... Régnier ah oui, ah oui. Non, parce que vous avez fait des études sur le Parlement et sur la personne. Ah oui, oui, oui. C'est ah oui, des... oui, intéressant. D'ailleurs, j'ai fait, fait cette étude avec la Fondation Jean Jaurès, en oui. partenariat, et pour la présidence, la, la précédente présidence de l'Assemblée nationale, euh, et, et on mesurait qu'il euh, y avait une grande incompréhension de l'Assemblée nationale et une interrogation sur son utilité. – Et quand, il dit, quand on reprend toutes les études qui ont été faites sur la perception des, des, des parlementaires et depuis le début de la cinquième, c'est très péjoratif comme résultat, les, 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 les Français n'aiment pas leurs députés, le leur, ils l'aiment bien, mais les députés en général, ils ne les aiment pas, ils ne les trouvent pas nécessaires, et donc là, peut-être qu'il y a un moment où ça se passe là, on, mmh. on parle de ce qui a eu lieu par exemple hier, mais euh, les Français pourraient être exaspérés de, 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 de trouver ce parlementarisme brouillant, voire chaotique, au moment où ils ont euh, en, envie d'être rassurés, parce que la, la rentrée se, sera compliquée. Et, et là, il y a, y, a, y a vraiment une, une, un moment euh, crucial pour le, pour le pouvoir exécutif, mais aussi pour le pouvoir parlementaire. – Elisabeth Borne a bien compris, en euh, tous les cas. – Quoi ?– parce Que lequel, le, le pouvoir était passé ah ouais, euh, euh, grave, du côté ouais. du Parlement, parce que d'abord, il y a eu le discours de politique générale. Elle-même, elle, elle s'est armée par rapport à cette situation-là. – Elle s'en sort bien au Parlement. – Pour l'instant, je s'en sort bien. Pour l'instant, ces trois premières prestations étaient plutôt réussies. Elle a même surpris, au-delà, euh, dans la majorité, mm. à l'Élysée. Et puis ceux qui la critiquaient, François Bayrou, euh, François Bayrou et d'autres, ont fait plutôt des, des bons débuts. C'est plutôt Emmanuel Macron qui a un peu de mal à se rendre mm. compte que le pouvoir est réparti euh, différemment. Ses proches le décrivent un peu amorphe, un peu euh, ce, ce, ah. ayant du mal à, avec cette nouvelle, donne, euh, cette nouvelle donne politique. Il dit « je ne suis pas en cohabitation, je suis en colocation ». Euh, ce qui est une, une drôle de, de formule. parce bon. que Mme Borne est la syndic de, 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 de la copropriété Je ne sais pas. Une question de Daniel dans l'Essonne. Où étaient les députés de la majorité présidentielle manquants lors du scrutin Il y en a qui n'étaient pas arrivés, puisque quand on est suppléant ah. de quelqu'un qui est nommé ministre, ça prend un mois. Oui. Avant de pouvoir intégrer l'Assemblée nationale. Donc il y a les pauvres, on ne pouvez pas les faire venir de force. De toute façon, ils n'avaient pas le droit d'être là. Et puis il se trouve que tout. On avait 15 quand même, hein, qui pas encore et... D'accord. Je... Mais en plus, c'est vrai, que quand ça a dû intervenir à 1h45 cette nuit, c'est ça Oui. Bon. Quand euh, on n'a pas suffisamment de discipline ou qu'on est un peu usé. Ou Il fait chaud, je ne sais quelle raison. C'est vrai qu'on a vu récemment des votes être étonnamment ratés parce qu'il manquait de personnes, ou qu'il n'y avait pas eu ce qu'il y a dans les autres pays. C'est-à-dire le whip, c'est-à-dire le chef. Le whip, ça veut dire fouet, c'est-à-dire en Angleterre notamment. C'est-à-dire celui qui vient mettre de l'ordre, qui en gros prend son fouet et dit maintenant vous allez rester, même si c'est 4 h du matin. Et Aurore Berger, d'ailleurs, a essayé d'appeler tout le monde. Là, je suis la présidente ouais. la chef du, du groupe majoritaire, a essayé d'appeler les gens, a trouvé personne. Enfin, voilà. Donc, je pense qu'ils vont apprendre. Exactement. Alors, s'ils n'apprennent pas, on va leur apprendre à apprendre et apprendre à savoir. Exactement. Ça fait partie de la prise de conscience qui est en fait en cours seulement. Ça répond à, hein, à la, de la majorité. est-ce que la majorité a compris C'est ça. Sa position voilà. Et l'exécutif, par rapport à sa propre majorité, qui va devoir aussi euh, s'adapter. Parce que, par exemple, transmettre les textes au dernier moment, ça, ça ne va possible. plus être possible, ah, bien sûr. Possible. Euh, comment le RN, militant pour la fermeture des frontières pendant le Covid, a-t-il pu s'opposer au pass sanitaire aux frontières Vous avez dit tout à l'heure que c'était effectivement une interrogation. C'est un risque, du ouais. Parce que c'est pas du tout conforme au paradigme, je dirais initial. En quoi l'opposition est-elle crédible quand elle s'oppose uniquement par principe, faire barrage au président François Mitterrand disait quand on est dans l'opposition, on s'oppose. Jean-Luc Mélenchon applique ça à la lettre. Je, la question c'est de savoir si euh, la Nupes va rester un, un front uni comme ça aussi euh, euh, longtemps, parce que c'est vrai quand même que chez les socialistes. Comme chez les écologistes, il peut y avoir aussi un moment, euh, ça, peut, ça peut craquer aussi, ça ne va pas rester comme ça, front uni. On, on sent déjà que Fabien Roussel a quand même envie de, de s'émanciper. Pour l'instant, ça tient. Il faut voir si ça tient sur, sur la durée. Ça commence. Merci. Si l'Assemblée nationale bute sur des orientations sanitaires, alors des débats sociétaux, doit-on s'attendre, lors des débats sociétaux par d'autres, doit-on s'attendre à des pugilats C'est ce que vous disiez les uns et les autres, c'est que sur un texte qui semblait donner le sentiment d'être assez consensuel, ça coince donc sur le reste notamment sur le budget disiez-vous mais sur les projets sociétaux effectivement aussi non? Oui. De toute façon, les projets sociétaux, ça divise. D'abord, ça relève de la conscience personnelle. Le texte qui arrivera, s'il arrive, ce sera celui sur la fin de vie. Il va d'abord passer par une convention. Mmh. Donc, on n'en est pas encore là. Et le moment où il y aura un texte sociétal qui arrivera à l'Assemblée, ouais. on aura déjà une bonne idée de ce qui se sera passé dans cet hémicycle avec cette composition. Puis, si on a la retraite, on verra bien là. Oui, mais la question oui. est oui, c'est plus sur des histoires d'argent de croyez sur le, baisse, sur le budget Effectivement, parce qu'il y en a qui veulent changer complètement de système. Mm. Euh, bien... C'est pour ça qu'il y a quelquefois des rapprochements entre LFI et le RN sur le souverainisme, sur la mondialisation, sur un mm. certain nombre de, de, de. sur le pouvoir d'achat. Et c'est à ce moment-là qu'à mon avis, ça sera le plus violent entre les orthodoxes, si tentés qu'ils le soient encore, ou si qu'il qu'ils veuillent le redevenir. Je parle de la majorité présidentielle et des LR. Euh, et les autres donc, ouais. à ce moment on verra. et puis par ailleurs on, on dit tous que c'est formidable le parlementarisme et c'est vrai, on dit tous que ça marche très bien partout mais on a en Allemagne, dans les pays nordiques des gens qui ont la culture du compromis et de l'envie de travailler ensemble ils et ils n'ont pas d'élection présidentielle c'est ce que vous avez expliqué c'est ouais. que c'est pas la même culture ouais. on tire dans le même sens, chacun à notre façon pour obtenir des choses Divisé sur des thèmes importants sans majorité cette version inédite de l'Assemblée nationale peut-elle tenir 5 ans bon. De... Tout le monde s'accorde à dire que ça paraît difficile que ça tienne cinq ans. En même temps, euh, euh, c'est ça va dépendre beaucoup du gouvernement est-ce qu'il est capable de changer sa méthode de travail on sait bien qu'ils vont être obligés de, de, de travailler autrement les, les, les projets de loi arriveront ils auront déjà été un peu travaillés en amont ça va beaucoup dépendre aussi de l'exécutif peut-être qu'il va s'adapter qu'il va savoir trouver les voies et les moyens il faut faire confiance à Elisabeth Borne euh, au début nouveau, ce qui est nouveau quand même c'est que depuis 5-6 ans on sait qu'on est dans une phase historique extrêmement importante très grave il se passe beaucoup de choses et donc on va aussi avoir euh, là, euh, beaucoup d'événements Hors de contrôle, lié à la guerre en Ukraine, lié au réchauffement climatique, lié au taux d'intérêt, enfin des événements très puissants qui vont venir dicter l'agenda de tout le monde, du gouvernement comme du Parlement, parce qu'il va bien falloir dire quelque chose, éventuellement faire quelque chose face à ces défis qui vont apparaître inévitablement, ça c'est sûr. On est sorti, il n'y a plus de présidence heureuse maintenant, tout est compliqué et menaçant, et ça va être extrêmement déterminant sur la nature de cette Assemblée. Une question de Jacqueline dans les Pyrénées-Atlantiques. Comment le Sénat peut-il récupérer le texte initial Parce qu'effectivement, Elisabeth Borne a dit. Ça peut y compter, euh, Je compte sur la responsabilité du Sénat. Euh, Nathalie Saint-Cric, ça veut dire quoi Ça dépend si le Sénat sera dans un rôle de, de chambre haute qui réfléchit, de sage. En se disant peut-être que s'ils le considèrent, c'est un texte qui est nécessaire pour pouvoir permettre éventuellement, en cas de réaccélération de l'épidémie, de prendre un certain nombre mmh. de, de mesures très rapidement. Ou s'ils si, euh, sont dans une logique politique, euh, mmh. comme euh, certains autres. C'est-à-dire, est-ce que euh, le, le problème, c'est est-ce -ce, est qu'on travaille en faisant ce qui est le mieux, du mieux pour, les, pour la France, ou est-ce qu'on fait un certain nombre de choses dans le but? Soit d'exister, mmh. soit de réexister et de pas être les amis d'Emmanuel Macron. Il y a deux éléments de conciliation quand même. On sent d'abord un Bruno Retailleau, sa réaction était quand même plutôt euh, positive. Euh, positive. Ouais. Et deuxièmement, Elisabeth Borne, qui s'est entretenue avec euh, Gérard Larcher euh, avant, euh, les avant les élections législatives, puis euh, après, euh, dit que Gérard Larcher, dans une attitude plutôt euh, ouverte. constructive, ouverte, et, et ne voulant pas bloquer euh, le processus parlementaire. Une question de Pierre en Gironde euh, la guerre à nos portes, une pandémie en cours, les prix qui flambent et nos députés qui s'amusent, où est l'erreur Ça ne va pas les amuser longtemps en fait. Non, c'est ça qui ne va pas les amuser longtemps. Mmh. Et il faudra que les parlementaires qui sont au contact quand même, j'espère, de, 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 des électeurs s'en rendent compte avant que ce soit une rupture. C'est l'opinion qui voilà. peut faire pression sur tout le monde pour leur dire faites exactement ce pour quoi vous êtes fait. Allez, rapidement une dernière question. Dans ce contexte où le un recours plus systématique au référendum peut-il être une option intéressante pour le gouvernement oui, non. C'est cher, c'est long et c'est pas adapté à tout. Et c'est pas sûr. C'est une réponse parfaite, claire, rapide, vieille, rapide 2000, efficace. 2000, 2005, Merci. Les présidents sont vaccinés. Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h45. On se retrouve demain, 17h50, pour un nouveau C'est dans l'air. Belle soirée.